Si tu es étudiant et que tu en as marre des études, tu veux changer de statut, alors cette vidéo est pour toi. Dans cette vidéo, je te parlerai du changement de statut d'étudiant à vie privée et familiale. C'est la raison pour laquelle je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je te donne deux raisons pour regarder cette vidéo jusqu'à la fin. La première, je te parlerai des quatre possibilités qui te permettront de changer littéralement de statut. Et ensuite, je te parlerai aussi, la deuxième raison, je te parlerai des trois possibilités qui ne te permettront pas du tout de changer de statut. Et je suis sûr et certain qu'à l'issue de cette vidéo, tu auras tous les éléments en main pour pouvoir te positionner et savoir quel type de titre de séjour vie privée et familiale tu pourras faire la demande. Et ne garde pas l'information pour toi. Partage cette vidéo massivement pour informer bon nombre de compatriotes. Alors, on se retrouve juste après le générique. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me regardes sur cette chaîne, moi c'est Patrice. Ici, nous parlons immigration, intégration sociale et entrepreneuriat. Si l'une de nos thématiques t'intéresse, alors fais partie de notre grande famille. En faisant le geste magique, abonne-toi là et surtout, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du changement du statut d'étudiant à vie privée et familiale. Oui, la difficulté ici pour les étudiants est de pouvoir changer de statut. Parce que logiquement, après vos études, les étudiants doivent retourner dans leur pays d'origine pour pouvoir mettre leur savoir-faire, leur intelligence au service de leur pays. Mais aucune loi n'interdit à un étudiant qui, au cours de ses études, peut-être au sorti de ses études, parvient à avoir un emploi. Cela peut lui permettre de changer de statut d'étudiant à salarié. Et certains étudiants ici arrivent, rencontrent du bonheur, de l'amour ici, et finissent par pouvoir se mettre ensemble, créer, fonder une famille. Cela aussi peut leur permettre de pouvoir changer de statut. Et c'est la raison pour laquelle nous allons aborder ce sujet dans cette vidéo, changement de statut d'étudiant à vie privée et familiale. Il y a quatre possibilités qui permettent à un étudiant de changer de statut. La première possibilité, si vous êtes étudiant et que vous êtes pacsé ou en concubinage avec un étranger comme vous, qui possède un titre de séjour avec la mention salarié ou vie privée familiale et autres, vous pouvez prétendre à un changement de statut. Mais pour cela, il faudrait prouver d'une communauté de vie commune en ce qui concerne le PACS de minimum d'une année. Pour le concubinage, il varie, il est minimum de 18 mois et il peut aller au-delà de 18 mois. Voilà. Donc, minimum 18 mois de concubinage et une année de vie commune en ce qui concerne le PACS. Ensuite, si vous êtes un étudiant, là encore, si vous êtes un étudiant et que vous vous mariez avec un étranger en situation régulière qui possède un titre de séjour avec la mention vie privée, avec la mention vie privée et familiale ou salarié et bien d'autres, vous pouvez prétendre à un changement de statut. Mais là, ce que vous devez faire un regroupement familial sur place. Oui, un regroupement familial sur place. Il est différent du regroupement familial classique que vous connaissez, qui voudrait que l'étranger soit hors, que votre conjoint ou bien votre conjointe soit hors du pays, hors de la France, afin que vous puissiez faire le regroupement familial. Mais ici, vous pouvez le faire sur place. La loi permet à un étudiant en couple avec un autre étranger, de faire ce qu'on appelle le regroupement familial sur place. Et il peut prendre un certain temps.
minimum une année et voire plus. Parce que c'est une procédure qu'il va falloir faire la demande au niveau de l'OFI. Donc, il y a des étapes à franchir qui vont énormément vous prendre du temps. C'est pratiquement le même procédé qu'un regroupement familial. Mais la seule différence, c'est que votre partenaire ou bien votre conjointe ou conjoint est sur le territoire français. Le plus souvent, il est conseillé de faire le PACS parce que en faisant le PACS, vous n'avez pas besoin d'attendre aussi longtemps que cela et votre demande de titre de séjour ne franchira pas autant d'étapes d'examen. Par exemple, en ce qui concerne le mariage, si vous êtes marié, il faudrait que l'OFI donne son accord et aussi la mairie, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça revienne au niveau du préfet. La troisième possibilité, si vous êtes marié, pacsé ou en concubinage avec un Français. Si vous êtes marié, pacsé ou en concubinage avec un Français, vous pouvez aussi faire la demande d'un titre de séjour avec la mention vie privée et familiale. Il va falloir prouver de 6 mois de vie commune en ce qui concerne le mariage et d'une année en ce qui concerne le PACS pour la vie commune. Pour le concubinage, il peut aussi, comme je vous l'ai dit tantôt, aller de 18 mois, voire plus, voire au-delà de 18 mois. La quatrième possibilité, si vous êtes parent d'enfant français, si vous êtes parent d'enfant français, vous pouvez prétendre à un titre de séjour vie privée et familiale. Mais pour ce faire, vous devez justifier de l'éducation et de l'entretien de votre enfant. Vous devez justifier de l'éducation et de l'entretien de votre enfant. Et cela concerne les deux parents dorénavant. Avec la nouvelle loi, ça concerne les deux parents. Même le parent français doit justifier de l'éducation et de l'entretien. Et cerise sur le gâteau, je vais vous parler d'une cinquième possibilité qui peut aussi vous permettre de changer de statut. Mais pour ce faire, vous deviez vraiment justifier. Si vous êtes un étudiant et que vous avez de la famille ici en France, ça peut être votre frère, votre soeur ou bien votre soeur, votre père ou bien votre mère, qui réside ici en France en situation régulière ou qui soit français, et que vous pouvez prouver que vous résidez sur le même toit, donc vous êtes sous sa responsabilité et que ce parent-là prend en charge les frais de vos études scolaires, alors vous pouvez aussi prétendre à un changement de statut vie privée et familiale. Voilà la cinquième possibilité vraiment. Et c'est facile. Il va falloir juste justifier que ce dernier prend en charge vos études et que vous résidez sur un même toit que lui. Au-delà de ces 5 possibilités qui vous permettront de changer littéralement de statut, il y a aussi d'autres cas de figure qui ne vous permettront pas du tout de changer de statut. Oui, si vous êtes dans ce cas de figure que je vais énumérer d'ici peu, sachez que si vous faites la demande, il va tout simplement être rejeté. Ce sont les causes de rejet. Si vous êtes un étudiant marié, si vous êtes un étudiant marié à un autre étudiant, donc à un étranger comme vous, qui a un titre de séjour avec la mention étudiant comme vous, sachez-le, si vous faites la demande de vie privée et familiale, il va être refusé. Même s'il y a un enfant ou bien des enfants dans le foyer. Et le plus souvent, le tribunal administratif ne peut contester la décision du préfet. Oui, vous ne pouvez pas prétendre, en étant marié à un étudiant comme vous, prétendre à un titre de séjour vie privée familiale.
Vous pouvez procéder autrement, mais ça, je vous parle de la loi. Ensuite, vous, si vous êtes un étranger, un étudiant par exemple, et que vous vous êtes marié à un étranger et que ce mariage a été célébré hors de la France, vous ne pouvez prétendre à un titre de séjour vie privée et familiale. La première des choses à faire serait de faire ce qu'on appelle un regroupement familial. Puisque ce mariage a été célébré hors de la France, il vous faut faire un regroupement familial. Ça, c'est la première des choses à faire. Sinon, vous allez essuyer un refus. Le troisième cas de refus, si vous êtes un étudiant et que vous avez la famille ici en France, qui soit en situation régulière ou français ou de nationalité, et que vous ne résidez pas sur le même toit que votre parent, donc tout simplement, si votre parent n'est pas, si vous n'êtes pas sous la charge de ses parents, et ensuite, si vous avez l'un de vos parents qui réside au bled, dans votre pays d'origine, ça veut dire que peut-être vous avez laissé votre maman au pays et que c'est le papa qui se trouve ici, l'un ou l'autre, ils vont tenir compte de l'attache familiale qui est forte dans votre pays d'origine. Ils vont vous refuser le changement de statut. Parce que, premièrement, le parent avec qui vous ne résidez même pas avec lui et il ne participe pas aux frais de vos études. Et au-delà de cela, vous avez encore des attaches dans votre pays d'origine. Voilà les cas de refus. Si vous êtes dans ces trois possibilités que je viens d'énumérer, sachez-le, il va être difficile, voire impossible pour vous de prétendre à un changement de statut d'étudiant à vie privée familiale. Alors les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et surtout à la partager. Il faut passer l'information, il faut relayer l'information et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine.